Coucou, coucou! Alors, il y a un petit peu de vent, donc j'espère que vous allez m'entendre. Je vais essayer de faire vite pendant qu'il n'y a pas de bourrasque. On est maintenant en Alsace. On est plutôt vers le sud de l'Alsace, dans le Haut-Rhin toujours. Et voilà, on est dans une petite ville qui s'appelle Stetten. Enfin, on est dans de la famille par là. Et puis là, on est dans une petite ville qui s'appelle Stetten. Je vais attendre que les voitures passent, voilà. Et donc voilà, c'est très typique, hein, l'Alsace avec les maisons à colombages. Et puis il y a une jolie église aussi qui date de 1700 quelque chose. Et puis voilà, là il y a Annie qui fait coucou, voilà. Et donc voilà, il y a plein d'autres petites maisons, c'est un petit village très sympa. Et on va continuer de visiter un petit peu la région là. Il n'a pas fait très beau, puis il fallait qu'on travaille, donc on a profité un petit peu pour s'avancer. Mais là, bon bah on continue parce que bon bah voilà, c'est vrai qu'on travaille, mais dès qu'on peut, on se promène pour pouvoir vous partager des jolies images. Bonjour, bonjour, c'est Florence. Hello, so version in English this time. We're in the east of France, in the Alsace region, which is near the Swiss and German border. We're actually closer to the Swiss border at the moment, because we're more in the southern part. And so we're in a little village called Stetten, and it's behind me is one of the typical houses from this region, and also in front of me. So it's a very pretty little village. Bonjour, petit chat. Coucou. Continue la visite en vélo. Cool, cool. Oh, another chat. There's a lot of cats here. Hello. Hello, hello. Mani se fait des copains. Ça va? Moi aussi. Ça va toi? Bonjour. T'es gentil. Oh, un autre. Bonjour, tu viens dire bonjour aussi. Coucou, ça va? Bon, désolé pour le vent.
toujours par ce joli matin très clair qui annonce une journée fantastique en Alsace. On est dans le petit village de Mouche qui est pas loin de la ville de Thann, dans le Haut-Rhin toujours. Alors on se balade un petit peu, on va rester ici quelques jours et puis c'est aussi où une grande partie de ma famille a vécu, donc voilà, on va se balader un petit peu puis redécouvrir tout ça. It's a little snapshot of Alsace still. We're in the little village of Mouche and we're gonna hang around in the valley. It's in the area of the Vosges and part of my family is from here, so we're gonna visit a little bit more. L'église de Mouche. Coucou! Alors nous voilà en balade autour de Mouche. Il y a le Bourriquoi qui est derrière moi là. Et on s'avance vers une petite cascade. Donc on fait une petite balade là cet après-midi. C'est pas très loin du camping où on est. Et puis voilà, comme il fait beau, on en profite. So we're just taking a little walk to a little falls that are near where we're staying. And it's pretty and it's sunny. Et voilà la cascade. Et hop. Coucou. La cascade est derrière nous. Coucou! On est à la fontaine de Bouba-la-Fell, on croit. Hein. C'est Bouba-la-Fell. Bouba-la-Fell. C'est quelque chose comme ça. Mais voilà. La fontaine! Bonjour, bonjour. Bon, je suis un petit peu à bout de souffle parce que ça monte un peu. Alors ce matin, on fait une petite rando qu'on a trouvé qui part de juste derrière le camping, donc c'est pratique. Et ça va à une ferme auberge. Enfin, on devrait avoir un point de vue, parce que ça monte. Donc voilà. On avance. Voilà, donc on continue dans notre petite marche. Puis ben, sur la route, il y a un petit refuge. That's a little, I don't know what it's called actually, it's a little hut. That's for mountaineers, so they can stop and sleep. It's all like well organized. Petit barbecue et tout. And we're gonna carry on our walk. Coucou, coucou. Alors désolé, les lunettes sont très noires parce que j'ai le soleil en face. Alors juste derrière moi, c'est là où on était dimanche en fait. Alors je vais tourner puis vous montrer un petit peu. Donc voilà. So this over there is the farm where we were on Sunday, where we walked to. Et en fait donc on est sur un chemin qui part un peu dans l'autre sens quoi. Mais on est parti à peu près de la même région quoi on va dire. Et puis voilà. Et on continue. Avec Mani là-bas. Et voilà, on continue la balade. Alors on est sur un très beau point de vue là qui s'appelle Vogelstein. Very nice view from this little rock. And we're going to continue on this path. Voilà, vue sur la vallée. Coucou! Voilà, on est tout en haut. À Vogelstein.
Voilà, donc on est dans la descente maintenant et puis on se retrouve un peu plus haut vers le ruisseau qui nous amène à la cascade où on était hier. Voilà, on est presque arrivé. Salut, salut, ce matin c'est petite balade à vélo au lever du soleil. Je vais vous montrer. Alors on va se balader dans la vallée, on va visiter 2-3 villages, faire quelques courses. Little bike ride this morning. Horses! Bon, nous voilà dans la ville de Tann. Je fais attention parce qu'il y a des voitures derrière, je suis au milieu de la route. So the little town of Tann, which is one of the bigger towns in the valley around here. C'est une des grandes villes, on va dire, du coin. Et il y a une jolie église. On va faire un petit tour. Je sais. Alors à noter, hein, pour, je sais qu'il y a beaucoup de camping-cars qui nous suivent, à Tann, il y a une aire de camping-car, vous voyez, qui est là. Je pense pas qu'il y ait l'électricité, et je sais pas si elle a vidange, mais je crois que pas loin, il y a une, on a vu dans le village à côté, là, il y a une borne flot bleu. Mais voilà, donc on est à Tann. Bon voilà, toujours à Tann, l'église. Les toits sont très intéressants. Très chouette. On va visiter. Alors, au-dessus de Tann, il y a un château, enfin une ruine plutôt, ça s'appelle Ingelbourg. Et il y a une très très belle vue. Bon là, il y a quelqu'un qui coupe l'herbe en bas. Voilà. Chouette. Puis bon, voilà, je vais reculer un peu pour vous faire voir un peu mieux. So we're in the ruins of a castle above the town of Tann. So it used to be kind of a fortress before, there's like a big tower. Alors ce gros truc là, bon, ça fait partie de la ruine, mais je vois vraiment pas ce que c'est, et puis j'ai pas vu encore d'explication, mais bon voilà, c'est assez original, il faut le dire. Voilà, et là on a la vue sur Tann. That's the view on Tann from the ruin of the castle. So we had our little breakfast down here. On a mangé notre petit déj là, puis on s'est garé un petit peu plus par là. Et voilà donc Tann. Et puis nous on est plus loin par là-bas, là, derrière la montagne. Alors ici l'explication justement du fameux truc rond. Vous pouvez poser là si vous voulez lire. Mais en gros je résume.
Donc en fait, ce truc, alors c'est un peu face au soleil là, donc voilà. C'est le château a été détruit par Louis XIV parce qu'il avait peur que ça passe à l'ennemi, exactement en 1673 apparemment. Apparemment, comme beaucoup de châteaux en Alsace, et ça c'est un bout de la tour qui reste de cette destruction, et donc ça a été laissé là pour en souvenir. Voilà, voilà. So I was just wondering what. It's noisy. I'm gonna try to speak loud. So I was wondering what this thing was, and I just got the explanation in the little sign at the bottom. And in fact, this castle was destroyed by Louis XIV in 1673 because he was scared that a lot of the castles in this region, in Alsace, were going to be taken over by the enemy, which was Germany at the time. So he had them all destroyed, and this is actually a leftover of the tower, and so they've kind of left it there as a remembrance of that. Une pause sur le long de la voie verte, on est tombé là-dessus sans le savoir. Alors c'est dans le village où on est, à Mouche, mais de l'autre côté quoi. Et donc voilà, il y a une nécropole qui rassemble tous les soldats qui sont morts en 14-18. So this is a war cemetery in the little village where we're staying, actually, that we just came across by chance. And there's actually an explanation in English here. And there is an American flag of an American soldier who died here in 1915. Amongst all the other ones. Alors, petite pause dans le village de Ransbach. Donc c'est par là, c'est dans le coin partout d'où vient ma famille. Donc j'étais venue là quand j'étais très petite. Et donc je voulais revenir un petit peu pour revoir. Et donc voilà, ça c'est le berceau de ma famille. So this little village is where my family comes from, or all around the area. But I know, I mean, I have definitely cousins who live here, and that's where we used to go when I was little. So it's a little village of Ransbach. So we're just making a quick stop. Bon, alors ça c'est Denzel qui n'a pas trop compris comment on peut boire au robinet. Denzel trying to figure out how to drink when there's a tap somewhere but where you can't close. So if I do that, qu'est-ce que tu fais, moi? Allez. Ah non, il réagit pas du tout. Ah non, ben voilà. Alors tu veux pas boire? Non, j'ai pas compris. Coucou. Alors. On est en route pour la ferme auberge de Belacker. Alors les fermes auberges en Alsace, c'est incontournable. Donc là, on a à peu près un peu plus d'une heure et demie de marche, et puis on va manger là-haut. Ça avait l'air très bon quand on y allait la semaine dernière, donc on s'est dit on va essayer. Voilà, voilà. A bit further in our walk to the inn farm or the farm inn, I'm not sure. So it's a farm that serves food also for the people, for the walkers and the mountaineers and stuff like that. And it's the same place that we went last Sunday, but we didn't eat there, and it smelled really good, so we thought we're gonna go. So we're in the little trail. We're about 20 minutes away now. Woo! Et voilà, on arrive. On voit les lamas. Alors, je sais pas si on les voit parce que là c'est loin, mais on va les filmer d'un peu plus près. Mais c'est les lamas qu'on a vus dimanche. Ils sont dans la ferme là. So we're here at the farm that has the llamas. So
C'était bien, hombre? Oui, c'était très bien. On va manger, t'as faim? Oui, maintenant, pas très faim, mais je sais que quand je mets, je voudrais l'apéro. Ah, c'est l'apéro, d'accord. L'apéro, que j'aime bien. Donc, bon, on va faire l'apéro, hein? Oui. Et voilà, les lamas. Il vient dire bonjour, lui. Animal typique alsacien. Bonjour! Salut! Ça va? Coucou! Bon, alors là, on est à Wildenstein. C'est dimanche et c'est la fête de la myrtille, apparemment. Et donc ça, c'est le début de la vallée, apparemment. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, derrière moi, juste... non, pas derrière. En fait, je vais me retourner... Voilà, fausse manœuvre. Donc là, il y a une tradition de faire des feux de la Saint-Jean, des grands bûchers qui s'allument normalement en juin, le jour de la Saint-Jean. Et donc là, d'après ce que je comprends, ça n'a pas pu se faire cette année. Et puis, je pense qu'ils vont l'allumer aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas si on sera encore là pour le voir, mais ça c'est le bûcher du feu de la Saint-Jean. J'espère que le temps va tenir. Voilà. Bonjour. Alors là, je suis pile poil entre la France et l'Allemagne. Je suis sur la frontière. On est sur le Rhin. Voilà, on se fait une petite balade en vélo vite fait pour repérer Strasbourg. Et donc là, voilà. Là, on est dans la frontière. On est sur la frontière entre la France et l'Allemagne. Pile au milieu. Et hop. Alors, journée à Strasbourg, et le truc incontournable à Strasbourg, c'est les tartes flambées. Voilà. Alors, on a déjà mangé une, celle-là est au Münster. C'était bon la première? Alors, nous voilà à Strasbourg. Et voilà, donc on est dans la petite France. Alors là, vous reconnaissez le thème alsacien. Et l'écluse. Mais c'est touristique. Voilà. Et bien sûr, la cathédrale de Strasbourg.
trouve de tout à Strasbourg. Alors toujours près de Strasbourg, il y a un espèce de petit jardin aménagé, un petit coin historique qui s'appelle la tour du Schlüssel. Et alors ça date du 14e siècle. Et puis il y a toute une histoire et puis maintenant ça a été réaménagé en petit jardin, enfin toute une espèce de petite attraction dans Strasbourg. C'est très chouette.